Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et celui-ci, c'est le début de l'école biblique dominicale. Ce moment, ce contenu qui est transmis tous les dimanches matin à 10 h ici par notre canal YouTube. Mais je veux vous dire une chose exactement dans ce moment, dans les églises, les temples de l'Église chrétienne Maranatha de tout le Brésil et aussi à l'étranger, dans le même fuseau horaire. Nous commençons aussi le culte, le moment d'adoration au Seigneur, et nous allons participer ensemble de cette école publique dominicale d'ici peu. À partir de 10 h à 10 minutes, au Rio du Brésil, nous entrons en réseau pour toutes les églises chrétiennes Maranatha à travers notre système de transmission via satellite. Cette première partie, nous nous adressons à vous qui nous regardez à travers notre canal YouTube. Je veux vous dire la bienvenue, vous qui avez reçu un lien, une invitation pour participer de cette école biblique dominicale. Soyez bienvenue à notre canal. Soyez bienvenue au culte de l'Église chrétienne Maranatha, ce culte auquel nous allons commencer maintenant. Nous allons faire à travers une prière pour commencer. Nous allons prier par le sang de Jésus. Frères et sœurs de l'Église, les membres de l'Église chrétienne Maranatha qui nous regardent par YouTube, j'invite maintenant à vous mettre à genoux pour cette prière. Pour vous, avez reçu un lien qui nous assiste par la première fois, qui vient d'arriver au canal. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous plaçons nos vies devant toi, Seigneur, en demandant pardon de nos péchés, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Nous demandons, Seigneur, que par l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies, nos péchés soient pardonnés, que nous ayons l'accès à ta présence, que nous puissions avoir ton enseignement pour nous ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Loué soit le Seigneur. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant de louange, d'adoration au nom de notre Seigneur. Et je vous invite à participer de ce culte, pas seulement à regarder, mais participer. D'ailleurs, en chantant, la lettre de la louange va être projetée. Vous allez avoir l'opportunité avec nous de louer le Seigneur. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Cette louange que nous venons de chanter parle d'un Seigneur qui est pour nous la roche, c'est le fondement ferme sur lequel nous pouvons édifier notre maison, notre vie spirituelle et notre vie sur tous les aspects. Ce Seigneur, le même Jésus qui est venu sur ce monde, qui a apporté un message et laquelle est vivante, comme lui il est vivant, même aujourd'hui. C'est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous allons chanter cette louange qui parle sur ça. Oh,
Loué soit le nom du Seigneur notre Dieu. Hier, aujourd'hui, pour toujours, le Sauveur est le même. Tout change, sauf Christ, la roche éternelle. Ce Seigneur Jésus, vous pouvez imaginer l'expérience d'entendre la voix de Jésus il y a 2000 ans, quand il a effectué son ministère. Aujourd'hui, nous vivons la même expérience. Aujourd'hui, il nous donne, par l'action du Saint-Esprit, la même opportunité d'entendre sa voix, de sentir sa présence, d'avoir accès à ses conseils, d'avoir accès à son orientation pour nos vies. Et nous continuons cette école biblique dominicale et nous allons chanter encore un chant de louange et d'adoration au nom du Seigneur maintenant. Juste après ce chant, vous allez assister donc à un autre générique que nous appelons le tour du monde. C'est un générique plus long. Et dans la séquence, nous allons nous mettre en réseau avec toutes les églises dans le Brésil, dans la conduction du pasteur Jean de Tiguez, Jules Souza. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations
de tous les continents de la planète, des églises des pays dont les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent dans le même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du calvaire. Des personnes de tout le monde sont touchés par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs qui sont dans les églises, connectés avec nous dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de maintenant, nous entrons en réseau, en transmission via satellite, vers nos églises, dans un culte présentiel dans les églises ce matin. Et le sujet d'aujourd'hui que nous allons traiter porte sur le mystère, basé sur la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 16, versets 25 et 26. Quand nous lisons la lettre de Paul aux Romains, chapitre 16, versets 25-26, nous pouvons établir la compréhension prophétique que présente l'Évangile comme un projet qui enveloppe toute la manifestation de la Trinité à travers le mystère. Et le contenu doctrinaire de ce sujet sera maintenant transmis aux frères et sœurs à travers le passage de Tigellus. Passage de Tigellus. Mes frères, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Nous sommes ici encore une fois pour apporter les sujets qui sont de l'intérêt de l'œuvre du Saint-Esprit dans ce temps. Je veux dire aux frères et sœurs qu'il y a un sujet ici qui semble nouveau, mais c'est un sujet qui est oublié, et bien évidemment. Oublié du christianisme et même de ceux que nous comprenons comme l'Évangile. La tendance a toujours été le changement du projet de Dieu vers le projet humain. Donc, quand l'Église du premier siècle commence ses expériences, quand elle commence à voir ses premières expériences, elle n'était pas définie comme une institution. Il existait, nous pouvons dire, les religieux de l'époque, qui étaient de l'Empire romain. Il existait aussi Israël, les Juifs, le judaïsme. Il existait les grands philosophes de l'époque, les stoïciens, les épicuriens. Les manifestations de cette époque, il paraît qu'elles voulaient étouffer l'expérience que l'Église primitive a eue après la Pentecôte. Donc, dans le message apostolique et qui se trouve dans le livre Actes des Apôtres, est annoncé dans les évangiles de Jésus, dans son ministère, et maintenant transféré par obligation, comme c'était une obligation du Saint-Esprit maintenant de donner et de porter la séquence au projet de salut
et de vie éternelle qui venaient vers l'Église. Donc le Saint-Esprit a commencé à être le fondement du projet, la forme d'enseigner, la forme de transmettre, la forme d'apporter à l'homme ce que l'homme ne connaissait pas. Il connaissait la lettre, il connaissait un Dieu qui se révélait, nous pouvons dire, de certaines manifestations naturelles, qui étaient d'ailleurs, nous pouvons dire, est liturgique. Et donc le culte de l'Ancien Testament était un culte liturgique. Donc la liturgie, elle servait un culte à Dieu. Donc les personnes dans ce culte, en répondant aux normes de ce culte, les normes liturgiques, automatiquement, ils prêtaient un culte à Dieu. Mais, donc cette période de l'Ancien Testament passé, donc le changement était total, parce que ce n'était plus un culte liturgique qui avait les éléments liturgiques qui étaient là, qui étaient le temple, le jour spécial pour le culte, qui présentait le souverain sacrificateur, l'agneau. Donc ces éléments ont disparu, ils sont venus pour le champ spirituel. Le temple parle de l'éternité, le jour qui parle de la sanctification, l'homme qui sanctifie le jour, ce n'est pas le jour qui sanctifie l'homme. Et la compréhension que le repos était Jésus, le repos éternel. Donc le temple était un sacrificateur éternel. Donc tous les éléments du culte dans l'Ancien Testament sont venus vers l'éternité. Ils quittent le champ humain liturgique et viennent vers le champ de l'éternité. Et c'est cela, c'est lui qui fait cela, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Donc, l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, préfiguré par le sang, qui est la vie qu'il a versée, qu'il a portée l'éternité, la Pentecôte, c'est l'élément fondamental afin que l'Église puisse vivre ces 2000 ans. Et ce que nous disons, par rapport à ce que Dieu a préparé pour l'homme spirituel, naturellement, l'homme a commencé à créer d'autres chemins. Il a compris d'autres choses. L'Évangile est devenu avoir un autre sens. Le christianisme est devenu a eu un sens plutôt social, politique, religieux, et basé sur les éléments de la raison. Quels sont les éléments de la raison? La philosophie, la théologie, ce pas des péchés, mais ce sont des déviations. Et l'homme, il peut être un serviteur de Dieu et philosophe, il n'a pas de problème. L'important, c'est d'être un serviteur de Dieu. Mais il y a une chose, ce n'est pas la philosophie ni la théologie qui va toucher le mystère. Donc notre grande préoccupation aujourd'hui, ici, dans ce temps, c'est d'apporter à l'Église le renouvellement du projet, de la compréhension à propos de l'œuvre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait jusqu'ici et qu'est-ce qu'il veut faire? Nous ne pouvons pas nous dévier de cela. Ce serait un crime de notre part de comprendre que l'Évangile est une institution, nous sommes dans une institution humaine où nous pouvons mettre toute notre raison et dans un projet pour expliquer Dieu. Nous allons expliquer Dieu. Quand Dieu, il veut s'expliquer, à travers qui? À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation du mystère. Donc, qui est le mystère? Jésus. Donc, nous allons entrer beaucoup dans ce sujet. Je recommande à nos ouvriers, aux pasteurs, de manière générale, qu'on puisse faire attention à ce que nous apportons ici, pas comme une obligation, mais pour besoin. Nous avons un peuple qui commence maintenant, donc ce n'est pas la peine d'avancer en enseignement et apporter de la confusion vers le nouveau, ceux qui nous entendent. Aujourd'hui, on parle ici à une douzaine de frères et sœurs, 100 ou 200,
Il y a plus une quantité immense connectée sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, afin que la compréhension puisse être élargie à toutes les personnes, il est nécessaire que nous puissions nous-mêmes puissions comprendre les messages qui sont dans un projet spirituel, séquentiel, doctrinaire, systématique. Ce n'est pas la peine d'aller des vents au courant, regarder le mystère, ceci, cela, tout va bien. On peut définir, il n'y a pas de problème. Mais notre grande préoccupation, nous commençons à parler sur le sujet. Je ne vais pas parler beaucoup sur ça parce que vous êtes déjà très informés, mais je veux dire une chose. Nous sommes en train d'entrer dans un côté profondément spirituel. Les questions qui vont être publiées à partir d'aujourd'hui, elles ne seront pas répondues n'importe comment, de conversations de savants. Non. Les questions, vous allez voir la parole, vous allez méditer, vous approfondir dans ce qui est le plus important. Nous allons voir le secret des secrets. Mes frères, intéressant, vous voulez voir une chose qu'on ne parle même pas. Quand Jésus a versé son sang, il a versé son esprit, donc par ce sang, ce mystère, que c'est le Saint-Esprit, quand il entre dans notre vie, nous sommes maintenant, nous sommes du même sang de Jésus, nous sommes de la famille de Jésus. Donc quand nous prions par le sang de Jésus, Jésus, je suis un membre de ta famille. Donc, il traite avec vous, avec nous, par le sang. Nous sommes du même sang. Ne nous laisse pas dans cette situation. C'est l'intimité, mes frères, du Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit, sans la révélation du Saint-Esprit. La religion, elle vit, elle a des arguments, elle a la partie qui est jolie, il y a de belles choses, la philosophie, mais cela n'amène pas l'homme à l'éternité. Pourquoi? Parce que seulement celui qui fait cela, c'est la culture. Donc, ce n'est pas la peine de dire, je suis de l'Église et de Christologie. Je suis christocentrique. Voilà, c'est des choses, des mots qui ne disent rien. Donc, voyez bien, nous n'avons pas besoin de cela. Nous sommes en train de vivre notre expérience qui c'est avec Jésus, c'est bien à l'Ancien comme au Nouveau Testament. Je suis christocentrique, il est en train de dire qu'il ne croit pas à l'Ancien Testament. Mais le texte dit, sont elles qui donnent témoignage de moi. Donc, nous sommes dans une œuvre qui connaît Jésus et l'Ancien Testament et en tout. La figure de l'agneau, toutes les figures de l'Ancien Testament prophétisées en Jésus. Donc, ce n'est pas la peine de dire, je suis chrétien, ceci, cela, pour dire que vous avez des révélations qui sont dans l'Ancien Testament. Donc, tous les livres de l'Ancien Testament ne nous servent pas. C'est une conversation qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle, 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 on ne comprend rien ce qu'il dit. Et tout le monde est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ce que nous apportons, nos frères et sœurs, notre désir, c'est que vous puissiez comprendre par vous-même, à travers une parole révélée, une parole dans l'esprit. Mais bien, nous allons entrer dans un sujet extraordinaire. L'Église va faire encore un saut. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. Donc, des frères de l'Église, des Hollandais aux États-Unis, une sœur que nous a envoyée ici, l'Église du pasteur Roger Silva. Cette sœur, elle donne son témoignage. Elle dit à propos des révélations, l'apprentissage de la parole, et que tout seul, elle dit, tout seul, ça serait difficile d'entendre. Il n'a pas de signification, c'est de participer. Et la sœur, elle parle sur ce sujet ici. Elle a envoyé sa participation. Aussi, une autre sœur ici qui envoie sa contribution, de groupe de jeunes de Hollandaine, l'État de Floride, les États-Unis, de le même pasteur. Nous avons ici le frère du Spirit Saint, Pinheiros. Le témoignage d'ouvrier Royal Silva Santos de Pinheiros Sud.
Donc, ils disent, les églises ici de notre région ont commencé ce travail merveilleux. C'est un travail merveilleux, c'est quoi? C'est d'entrer dans la parole, c'est s'asseoir avec les frères et sœurs, c'est la communion. Quand l'église primitive se réunissait dans la prière, dans le partage du pain, c'est ça. Donc, rompre le pain ensemble, c'est ça, c'est la parole. C'est de s'asseoir avec les frères et sœurs une fois par semaine, c'est pas tous les jours. Mais c'est la nourriture, au moins, quand vous vous réunissez avec l'Église, vous recevez le bénéfice de la communion, de partage du pain et des prières. C'est cela que les gens ne comprennent pas, ne veulent pas vivre. Chacun veut vivre de son propre compte. Non, je sais aussi, je fais cela, mais il n'a pas de communion, il n'a pas de corps. Il ne sait pas où il va. Il dit aujourd'hui une chose, demain il dit une autre chose, après il dit une autre chose, et après il revient en arrière. C'est une confusion. Notre préoccupation, ce n'est pas celle-là. Notre préoccupation, c'est d'apporter à notre peuple ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Je veux dire aux frères et sœurs, la semaine dernière, maintenant, nous avons eu une réunion comme toujours, le mardi, et le Seigneur a parlé. Je veux, jusqu'à la fin de cette année, une compréhension de mon peuple, la profondeur de la compréhension de mon peuple, parce que nous allons faire un saut. L'œuvre va faire un saut. Nous sommes en train de comprendre ici, mes frères. La chose que le Seigneur nous ramène ici, ça, c'est nécessaire que chacun fasse un saut. Je ne peux pas, avec une demi-douzaine, faire un saut. Nous devons faire tous ensemble le même enseignement, le même objectif, le même projet, le même Dieu, la même foi, le même Seigneur, le même baptême. Mes frères, c'est un seul foi, un seul peuple, un seul baptême. Ce n'est pas un qui dit une chose ici, l'autre dit une autre chose là-bas, qui vivent avec des prédications. La prédication, c'est très bien. Et de parler difficile, quelque chose de merveilleuse, parce que c'est ceci, cela. Mais vous avez compris? Ah, c'est parce que ceci, cela, je pose la question, c'est avec cela que vous allez au ciel, avec cette conversation, parce que la famille doit être comme ça, très joli, et regardez bien, on doit connaître l'Évangile et pratiquer la Bible, connaître, s'asseoir, au lieu de s'asseoir pour un repas ensemble, on peut faire ça aussi, mais il faut s'asseoir pour la communion des frères et sœurs, la prière. Nous voyons nos jeunes qui se déplacent dans toutes les parties. Le groupe des sciences et foi, que ce n'est pas que des jeunes, le groupe d'évangiles sans frontières, le groupe des frères de prière, de semences précieuses, nous avons un réveil d'un peuple. Mais regardons, parce que, en vérité, nous avons la préoccupation qu'il ne quitte pas la direction de ce que le Seigneur nous a mené jusqu'ici. Nous allons avancer, et cette prochaine année, c'est une année de beaucoup de lutte, mais beaucoup de victoires aussi. Nos jeunes vont sortir de la maison. Ils vont se mouvementer. Il a besoin de se réunir, mais principalement de témoigner, sortir dans le champ et aller où ce soit nécessaire pour porter la parole au groupe de 2, de 3, de 10, 50, 100. Mais nous devons mettre l'énergie spirituel de ce peuple au service de l'œuvre de l'esprit. Il y a un groupe qui prie. Nous ne voulons aucune interférence de groupe qui prie, ni de pasteur, ni de personne. Il y a le serviteur de Dieu là-bas qui a la mission de faire cela. Il y a un autre groupe de science et foi. J'ai reçu, il y a quelques jours, un travail de science et foi, une chose extraordinaire sur le parabole. Nous n'avons pas ni comment apporter cela parce qu'il y a tellement de sujets, tellement d'expériences, tellement de choses. Nous avons découvert, mes frères, un trésor que le monde ne connaît pas. Donc nous avons ici le témoignage de Steven, de la classe des enfants, ce frère, il est ado, de Pinheiros aussi. Regardez, c'est un enfant. Nous avons aussi deux jeunes qui participent ici avec nous.
S'ils veulent donner un témoignage, si le café était bon, ils peuvent encore dire ici, ils sont avec nous. Je veux dire maintenant quelque chose aussi à propos, c'est beaucoup de témoignages. Je ne vais pas donc rester ici sur les réponses, parce que le pasteur Jules, il a les réponses via satellite, par les vidéos, n'est-ce pas? Mais afin que vous puissiez avoir une idée ici, il y a quelque chose. La sœur Rita Machado, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est de l'église de Nazareth, elle dit. Elle envoie des salutations à son fils qui s'est fait baptiser dimanche, il a 16 ans. Et nous saluons aussi Gabriel, et aussi Samora. Ici, quelques questions. Nous avons des témoignages. Nous avons vu de manière directe l'Église qui vit et donne la valeur aux enseignements de l'EBD et qui donc vit des jours, des miracles et bénédictions merveilleuses. Notre frère Oséas, donc le pasteur José Ticinario. Donc ces frères donnent leur témoignage ici, plusieurs d'autres témoignages. Le mystère est présent dans la vie des sauvés. Ici, d'autres informations. Je suis pasteur de l'église de Moro do Carmo. Le mystère qui se révèle à elle dans l'action du corps de Christ, dans le moment des études, de méditation de la parole avec les frères et sœurs. Ça, c'est un témoignage de notre sœur Victoria Rodriguez. Nous avons aussi d'autres frères ici, un enfant de 9 ans. Et elle évangélise sa grand-mère. Mes frères, le Seigneur fait une grande œuvre à travers les enfants desquels est le royaume. L'autre frère parle ici à propos des mystères du don de l'esprit. L'autre parle ici du mystère de la paix qu'il a retrouvé dans un endroit de communion intense, au point d'ici de pleurer beaucoup. C'est notre frère qui est ici, Thiago, le Muxaba, ici de notre état de Spirit Saint. Notre sœur ici, Déborah, de 5 ans d'âge, elle parle à propos de l'approfondissement de sa fille. La sœur parle de l'approfondissement de sa fille de 5 ans. Quand les gens disent qu'ils ne comprennent pas le satellite, nous avons juste cette réponse à donner. Un enfant de 5 ans d'âge a la réponse, et un frère qui a 40, 70, 90 comme moi ne savent pas répondre, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut plus. Il s'est habitué à manger quelque chose qui est déjà prêt. Il y a un enfant ici, par exemple, de 6 ans, appelé Arthur Santos. Son nom, ici, de notre frère, c'est Weverton. Le pasteur, c'est le pasteur Ederson de Santos Rodriguez de l'église. Il décrit ici un enfant qui participe, qui répond aux questions avec beaucoup de propriété. Quelle chose extraordinaire, un enfant. Son nom est là, Arthur Santos. Je vais passer le téléphone d'Arthur pour que vous puissiez le demander si vous avez des questions ici à propos de l'église de l'œuvre. Son téléphone ici, son nom. Voilà, donc il y a son numéro de téléphone que je vous donne ici. Vous pouvez vous l'appeler. Si vous avez un doute, les questions ont été faites. Donc, vous voyez bien, notre ici dit, il dit, le Seigneur me visite de manière puissante. Il révèle ses mystères. Mes frères, mieux que ça, nous avons ici le pasteur Osmar de Sousa qui donne son témoignage, comme il est bien d'entendre ici ses frères, n'est-ce pas? De 9 ans d'âge, qui s'appelle Olivia. Regardez son nom ici, 999.
30 66 12. Vous pouvez l'appeler et demander s'il a des difficultés de communion et de connaître, de participer. Il y a un autre ici, Daniel. Cela nous réjouit, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir que même les enfants s'intéressent et apportent même leurs parents. Quelques parents sont restés dans une position un peu commode, n'est-ce pas? Et ils viennent. Je veux aussi savoir la réponse, et ça c'est merveilleux. De tels sont le royaume. Et elles participent avec des dons spirituels, des enfants et filles avec des dons spirituels, 4-5 ans d'âge. Je ne vais pas dire, parce que ici, par exemple, au Nouveau-Mexique, il dit tous les cultes pouvaient être une école publique dominicale. Le culte du soir, gloire à Dieu, quelle merveille. Il vient de Nouveau-Mexique, notre frère, Genesi, de Paula, de Paula. Nous avons ici d'autres. Je ne veux pas rester ici à cette lecture, parce que ça peut être fatigant. Et même un problème pour ceux qui ne veulent pas cette parole. Il dit, moi, je ne comprenais rien de l'EPT. Mais quand je commençais à prier et à demander que le Seigneur me donne la compréhension, maintenant je comprends. Et je commençais à voir des grandes bénédictions dans ma vie. Maria de Mendes, cette sœur, son pasteur, c'est André Louis. Mes frères, il y a beaucoup de choses. La doctrine, le préserver. Le frère, il parle ici. Elias. Beaucoup de choses. Mes frères, je vais m'arrêter ici, juste pour donner un dernier rapport. Nous avons eu cette semaine, nous avons eu un record de participation. L'état du Spirit Saint a quitté le 8e place vers le 4e place, mais il est loin encore. Même celui qui a la plus grande participation, presque 30 000 participations, mais il se trouve en 4e place. Parce que le 1er place se trouve au nombre de participations, c'est Rio Grande do Sul comme état. Le 2e, Amapá. 3e, Sergipe. Et ainsi de suite. L'état du Espírito Santo, c'est 4e. Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo. Paraná, Rio de Janeiro et Ceará sont les 12 États de plus grand nombre. Par rapport à passant à l'étranger, nous avons ici le groupe des États-Unis, aujourd'hui, avec plus de 1200 participations. Bolivie en 2e, Portugal 3e. Nous avons une chute au Venezuela. Nous avons en Italie aussi, Mexique, Uruguay, Cuba. Il pourrait participer plus. Canada pourrait être plus grand. Mais nous connaissons les difficultés que nous vivons, etc. Pour finir ici, je ne peux pas laisser de dire que parmi les 30 églises ou 30 pasteurs qui ont plus apporté des contributions pour l'église dans cette heure, qui est pour toute l'œuvre, ce n'est pas pour moi, c'est pour toute l'œuvre, se trouve ici, premièrement, le pasteur Jamilson, Inácio Rodrigues, avec 1222 participations dans l'état de Espírito Santo, Vila Velha. Un autre frère de Minas Gerais, de Cerezedo, Valdemir, Bora de Magalhães, presque 1000 participations. Aussi de Santa Mônica, Watson, 830. Aussi, dans le quartier de Graça, à Belo Horizonte, il y a le frère Creusolino, qui ne pourrait pas être dehors de ça, n'est-ce pas? Il a plus de 850 participations. Mais par rapport aux participations des États, nous avons Espírito Santo 13, Minas Gerais 12, Rio de Janeiro 3, São Paulo 1 et Bahia 1. Nous savons parfaitement des difficultés de ces participations
Mais nous devons apporter ici les chiffres afin que vous puissiez voir la participation. Nous avons dépassé un record cette semaine au nombre de participations. Nous ne sommes pas poupés sur des chiffres, mais sur des participations. Et ainsi, Dieu va continuer à nous bénir. Certainement, le pasteur Josias va citer aussi le sujet qui nous a préoccupés pendant cette semaine, la perte des frères aimés, deux pasteurs. Naturellement, nous avons beaucoup manqué, pasteur Aloïse, région de Cataguases, juste fort aussi, responsable de la région, a laissé une famille structurée, des pasteurs. Nos salutations, le pasteur Josias va citer ici par rapport à sa famille, l'autre pasteur aussi, de Bahia, quel est son nom? Le pasteur Jean Daora. Aussi, Bahia, nos salutations fraternelles à la famille et toute l'Église, la consolation de la part du Seigneur pour la gloire de son nom. Mes frères, faites attention aux questions qui vont être publiées à partir de maintenant. Nous allons préparer pour une fin d'année bénie. Et la bénédiction n'est pas en nous. Nous n'avons pas de bénédiction à donner aux frères et sœurs. Vous allez chercher la bénédiction que le Seigneur dit, qui est en bénédiction dans la parole, dans la doctrine, jusqu'à la fin de cette année, alors ils participent. Les pasteurs doivent s'engager, les ouvriers, les diacres. Les questions viennent ici avec des sujets qui ne seront pas répétitifs, mais approfondi afin que vous puissiez donner la continuité à l'œuvre de l'Esprit, la paix du Seigneur, parce que Jésus est maintenant avec la parole. Amen, mes frères et sœurs. Nous allons donc présenter quelques réponses qui ont été envoyées à travers les vidéos de nos frères et sœurs, et principalement les enfants intermédiaires et adolescents. Notre première question est la suivante. Elle est destinée à tous. Dans l'Évangile peut être complété, peut se compléter dans la vie de l'homme sans l'action du mystère. Donc, nous allons voir la réponse qui sera donnée ici par un enfant. C'est Erika. Erika, c'est de la classe des enfants, notre église de Barra de San Francisco. Elle va répondre ensemble avec sa sœur, avec sa mère. Nous allons entendre la réponse à la première question. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. En répondant à la question numéro 1 à tous, l'évangile peut se compléter dans la vie de l'homme sans l'action du mystère? Non. Jésus est le mystère à nous révélé par le Saint-Esprit. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, la paix du Seigneur Jésus. Amen. C'est toujours bien quand nos enfants présentent leurs parents en faisant partie de la réponse de la question, la famille unie, en répondant la question à l'école publique dominicale. Maintenant, il y a la deuxième question qui est la suivante. La question est, le salut est un mystère? Cette question, nous n'avons pas la vidéo, mais la réponse, elle est là, vous pouvez voir. La réponse, c'est oui, exactement, parce que le salut, c'est une opération du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit révèle le mystère à l'homme, et ce mystère, c'est la personne du Seigneur Jésus. Très bien, la réponse de la question numéro 2. Maintenant, la question numéro 3, nous allons maintenant passer à la question numéro 3 aussi. Elle est adressée à tous qui dit, de quelle manière se découvre la manifestation de ce mystère? Lettre A, par la raison. Lettre B, par l'histoire. Lettre C, par une manifestation prophétique. Lettre D, par la manifestation de la chair. Donc, nous allons voir la réponse. Mais celui qui va confirmer la réponse, c'est notre frère Philippe, le groupe de jeunes de notre église à Macapá, la capitale de l'État de l'Amapá. Philippe va donner la réponse à la question 3. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, je m'appelle Philippe, de la ville de Macapá, Amapá, en répondant à la troisième question de l'EBD. De quelle manière se découvre la manifestation? Par une manifestation prophétique. Et comme c'est écrit en Jean 16, 8. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché et aussi révèle Jésus-Christ, la paix du Seigneur Jésus. Très bien placé par une manifestation prophétique du Saint-Esprit
qui est celui qui révèle le Seigneur Jésus à l'Église. Donc voici le texte cité par le frère comme avec une fondamentation biblique de la réponse qui a été donnée à la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 4 nous dit, citer un texte qui parle sur le mystère de Dieu et la manifestation du mystère du Saint-Esprit. Nous avons une réponse, mais celui qui va nous confier cette réponse, c'est notre sœur de la ville de Águia Branca, de l'État de Paraíba, le groupe de dames. Le groupe va se réunir et nous allons entendre la réponse de toutes les sœurs du groupe de dames de l'église d'Águia Branca, dans l'État de Paraíba. La paix du Seigneur, je suis en train de lire la question numéro 4 qui dit « C'était un texte qui parle sur le mystère et la manifestation du mystère du Saint-Esprit. » Le texte se trouve en Colossiens, chapitre 1, verset 26, qui dit « Le mystère qui était occulté depuis tous les siècles et en toutes les générations et que maintenant a été manifesté à ses saints, la paix du Seigneur Jésus. » Très bien, la réponse Colossiens 1, verset 26, sur le mystère de Dieu et la manifestation du mystère du Saint-Esprit. Donc, nos sœurs du groupe de dames de l'église d'Águia Branca de l'État de Paraíba. Maintenant, la question numéro 5, question numéro 6. Numéro 5 nous dit, quel est le nom de l'évangile sans révélation? Voici la réponse, christianisme. Beaucoup ont répondu à cette question en mettant christianisme, religion, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas la révélation du Saint-Esprit. Donc, c'est exactement l'évangile qui ne manifeste pas le Saint-Esprit. Donc, en réunion le Saint-Esprit, le mystère n'est pas révélé, que c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, la réponse a été divulguée, vous avez vu la réponse, ainsi comme la question 6. Aussi, la question 6 qui dit, l'évangile sans révélation fait partie de la Trinité. Donc, vous voyez ici, la réponse, c'est non. On n'a pas encore reçu la vidéo de cette réponse, mais nous voyons que la Trinité, elle est révélée seulement quand le Saint-Esprit est présent. Donc, l'évangile sans révélation, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit, naturellement, ne fait pas partie de la Trinité parce qu'il ne considère pas la Trinité. Et le Saint-Esprit est une des trois personnes de la Trinité. Donc, très bien, notre réponse était non. Et vous avez pu accompagner à la maison. Nous avons la vidéo, la question numéro 7. La question numéro 7 dit, le mystère est une manifestation de la chair. Donc, nous allons voir la réponse. La question numéro 7. Maintenant, nous allons voir la participation de Gabrielli et de la classe d'adolescents de notre église à Saint-Louis, dans l'État de Maranhão. Le mystère de manifestation de la chair, non, selon Éphésiens 3:3, car selon par une révélation m'a été donné à connaître le mystère, selon cela m'a été donné, j'ai écrit un peu. Le mystère, c'est une révélation du Saint-Esprit, ne peut pas être de la chair, la paix du Seigneur. Très bien la réponse. Passons plus loin à la question 8. Cette question a été destinée aux parents et aux enfants. 8 et 9. La question 8 dit, complétez le mot ci-dessus qui donne le nom à la thématique de cette BD. Donc voici le mot complet. Il a été mis ici avec quelques lacunes. Et pour cette question, pour que vous puissiez avoir une idée, nous avons eu des centaines de réponses pour cette réponse numéro 8. Telle a été la participation à travers les vidéos de nos enfants avec leurs parents. Nous allons présenter deux réponses. Une vient des États-Unis. Notre sœur Anna Clara et Juliane, elles sont de la classe intermédiaire de notre église à Cumberbury, une des villes où nous avons une église dans la côte l'est des États-Unis. Une autre vidéo à Santa Catarina, ou dans l'état de Santa Catarina au Brésil. Sophia, la classe des enfants, notre église de Camboriú, ensemble avec sa mère, va nous présenter aussi une réponse. Anna Clara, complétez le mot ci-dessus qui donne le nom
La thématique, c'est TBD, c'est mystère. Juliana, qui est le mystère de l'Évangile? Jésus. La paix du Seigneur, mes frères. Sophia, nous allons répondre à la question numéro 8 de l'EBD qui dit compléter le mot ci-dessus qui donne le nom à la thématique de l'EBD. La réponse est mystère, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, Sophia a pu présenter avec son père la réponse à notre question numéro 8. Maintenant, nous allons à la question numéro 9. Yann, Clara et Juliane ont même avancé une petite réponse, mais nous avons ici aussi dans cette question deux participations qui est la suivante. Qui est le mystère de l'Évangile? Donc, nous allons voir cette réponse qui est ici. Confirmée par l'État de Roraima, dans la ville de Boa Vista, la capitale de cet État, nous allons voir une réponse d'un groupe d'intermédiaires adolescents qui vont répondre ensemble. Et après, on va passer à Brasilia avec une mère, avec ses enfants, vont répondre à la question numéro 9. Qui est le mystère de l'Évangile? Jésus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question 8, 9 de l'EBD. Complétez le mot qui donne le nom à thématique 7 EBD. Mystère. Très bien. Ana Vitoria, qui est le mystère de l'Évangile? Jésus. Maria Catarina, à travers la révélation du Saint-Esprit, la paix du Seigneur Jésus. Quelle merveille! Ana Guilhermine a résolu le problème de notre mystère, parce que le mot qui était présenté était inversé, mais Ana Guilhermina a pu répondre clairement notre réponse avec ses sœurs. Ont participé ici. Très bonne cette participation d'une famille. Nous demandons toujours les frères et sœurs que les enfants qui envoient des réponses présentez votre papa, votre mère pour présenter, pour participer à la vidéo. Passons à la dernière question numéro 10 qui a été adressée aux jeunes et universitaires qui dit citer autres sept mystères indispensables qui sont des manifestations du Saint-Esprit, qui vont au-delà de la raison, qui sont identifiés dans l'évangile de Jésus. Donc voici une réponse. Mais celui qui va donner la confirmation de cette réponse, c'est notre sœur Rosimeire. Rosimeire, c'est le groupe des dames, notre église de Paraguaçu, Paulista, dans l'état de São Paulo. La paix du Seigneur, mes frères. Je vais répondre à la question numéro 10, en citant les sept mystères. Le premier mystère, c'est la parole révélée, après la prière par le sang, l'église, la prière, les dons spirituels, la communion et l'enlèvement de l'église. Amen. Très bien répondu, notre sœur Rosimeire. Nous finissons ici cette partie. Nous passons à la partie avec le pasteur José Ajunes qui va conclure. Amen, pasteur Jusson, merci. Passons à la question de la prochaine école biblique dominicale. Juste après la présentation des questions, nous allons encore faire une annonce. Le sujet porte en découvrant les mystères de la volonté de Dieu. Ça, c'est le sujet que nous travaillons. Nous allons travailler dans ce texte fondamental, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 15. Donc, les questions seront faites, sont dans ce texte qui seront répondues. La première question, la question est la suivante. À tous, mettez en évidence la raison de la lettre de Paul aux Éphésiens en citant résumé le texte biblique qui se trouve dans le verset 3. Quelle est la raison principale, l'objectif principal de la lettre de Paul aux Éphésiens? Vous allez retrouver dans le verset 3, dans ce texte que nous avons présenté comme texte de base de cette école biblique dominicale. La deuxième question, mettez en évidence les figures prophétiques de la Trinité, le verset 3, en identifiant chacune des personnes de la Trinité. Donc, vous allez retrouver les trois personnes dans le verset. Vous allez identifier donc, quelle partie du verset qui s'identifie de chacune des personnes qui correspond à chacune des personnes de la Trinité. Passons à la question 3, encore pour tous. Où nous pouvons retrouver le sujet central?
qui va encadrer les études des prochaines écoles bibliques dominicales. Citez le verset. Donc, le pasteur Jedeci a déjà présenté ici quelle est la thématique, le sujet que nous sommes en train d'aborder pour les prochaines écoles bibliques dominicales. Dans cette séquence, maintenant, où nous sommes. Donc, ce sujet qui était déjà dit ici, où nous allons nous retrouver dans ce texte, vous allez citer le verset où il se trouve. Amen. Maintenant, la quatrième question, celle-ci s'adresse aux jeunes universitaires. Donc, quel verset on voit en évidence la gratitude de l'Église et les raisons exposées par l'action de la Trinité? Donc, c'est une question plus élaborée. C'est une question qui demande une analyse pour répondre avec calme. C'est pour cela qu'elle est adressée aux jeunes universitaires. Donc, quel verset on peut mettre en évidence la gratitude de l'Église et les raisons exposées par l'action de la Trinité? Vous allez aussi retrouver dans ce texte. Passons plus loin. Nous avons une cinquième question pour parents et enfants. Qui est le mystère prophétisé comme l'agneau de Dieu? Il y a cinq possibilités ici. C'est la crèche, le pasteur qui était dans le champ, c'est l'étoile de Bethléem, le lapin de la Pâque ou Jésus. Donc vous avez cinq options que vous allez choisir pour trouver le mystère prophétisé comme l'agneau de Dieu. Amen. Très bien. Le passage de Thiers a posé la question. Donnez le microphone. Alors, enlevez le masque. Voilà. C'est la réponse E. Qu'est-ce qui dit la réponse E? C'est Jésus. Comment vous vous appelez? Anne Clara. De quelle église vous êtes? Je suis de Plano Saint. Qui est votre pasteur? Pasteur Fourlan, très bien. La question pour le jeune. Alors, il peut se présenter. Je s'appelle David de Sa Fernandez. Très bien. Il nous visite aujourd'hui. C'est du plan sain, n'est-ce pas? Vous avez pris le petit déjeuner avec nous. Il était bon? Oui, il était très bien. Et quelle est la réponse? La lettre E. Jésus, très bien. Et l'étoile? Et l'étoile est un mystère ici? Non, pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, très bien, le mystère est lié à l'agneau de Dieu. Mais l'étoile pointe, n'est-ce pas? La figure du Saint-Esprit qui pointe à Jésus. Josias, tu n'as pas oublié de mettre le texte? Non, il est là. Le texte fondamental, sinon on ne trouve pas. Éphésiens. Éphésiens. Est-ce que vous avez mis Éphésiens? Si, c'est au début. On a mis au début. Oui, voilà. Béni, Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le texte est au début. Oui, Éphésiens 3 à 15. Ah oui, voilà le texte. Éphésiens chapitre 1 de 3 à 15. Oui, c'est cette dynamique, l'école publique nous manque, n'est-ce pas? Très bien. Donc, passons maintenant aux recommandations. Donc, en vérité, ici, c'est juste une confirmation de ce que le pasteur Jodéthier a déjà dit. Nous allons renouveler la compréhension doctrinaire de l'Évangile dans ce que fait référence au mystère de la parole pour ce temps. Il y a beaucoup encore pour toucher. Nous connaissons la condition de nos pasteurs et ouvriers pour traiter cette thématique avec détail. Mais nous allons voir cela à la mesure que l'école publique dominicale sera présentée. Donc notre temps est déjà terminé, mais nous voulons d'abord parler à propos des frères qui sont partis vers le Seigneur. Notre frère pasteur João Daora Ferreira Machado de Itabelá et plus récemment le pasteur Aloysio d'Assis Ribeiro. Il est père du pasteur Hélio d'Assis Ribeiro,
coordinateur de la région, Luan Edson, de Héloïse, Aloïse d'Assise Ribeiro, et le pasteur, je te tiens demandé qu'on puisse laisser un texte ici, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, qui dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants à propos de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc voici un mot au nom du presbytère, un message du presbytère aux membres de la famille sur le départ de notre frère Aloïso. Encore une autre information à propos de ce qui se passe au sud du Bahia, les fortes pluies qui sont tombées là-bas. L'information sera la suivante. Deux camions sont partis ici du Manaïm de Carapina, dans l'état du Spirit Saint, avec l'eau minérale, de la nourriture, des objets d'hygiène personnelle, sont envoyés pour répondre aux besoins de nos frères et sœurs de cette région. Une tonne d'aliments est partie aussi du Manaïm de Domingos Martins pour aider aux frères et sœurs. Tous les Manaïm du sud de Bahia sont aussi impliqués dans cette assistance, en portant le support dans la préparation de la nourriture, pour donner, pour accueillir, pour héberger ceux qui ont besoin de ce secours. Et les frères doivent chercher le Seigneur, prier le Seigneur pour le sud de Bahia, nos frères et sœurs au sud de Bahia, en fonction de ce moment, les fortes pluies qui sont ramenées de cette région. En rappelant que n'importe quel doute peut être accédé au siège presbytère et aussi pour ceux qui ont accès au sud de Bahia, le pasteur de la coordination fait la coordination de ce travail, pasteur Paulo Adalberto, dans la ville d'Itamaraju, c'est celui qui coordonne cette assistance. Donc, des fois, les frères et sœurs qui veulent aider ou veulent savoir comment obtenir de l'aide, vous pouvez contacter le pasteur Alberto dans cette région qui coordonne l'assistance. Rappelons nos frères et sœurs la transmission spéciale qui va se passer via satellite, le culte. Aujourd'hui à 16h, un message pour les adolescents. Amen. Donc ainsi, nous finissons ici cette transmission via satellite, ce réseau de transmission via satellite avec les églises. Oui, il y aura un message pour un groupe de pasteurs de l'Amérique du Sud. Une parole pour l'Amérique du Sud. Le pasteur Jodetti va adresser au pasteur de l'Amérique du Sud, entre 13 mois ici. Et Palmeiras dos Índios complète son content, l'œuvre dans cette région. Nous finissons cette transmission, ce réseau de transmission via satellite dans les églises. Les pasteurs vont finir les cultes présentiellement en priant pour les enfants. Et nous continuons maintenant par YouTube, sur YouTube pour les études avec les enfants. La paix du Seigneur aux frères qui sont dans les églises. Nous allons continuer maintenant par YouTube pour les études pour les enfants qui éventuellement regardent de la maison. La paix du Seigneur aux frères qui sont dans les églises. Et maintenant, nous continuons ici par notre canal YouTube. Nous allons maintenant passer aux études aux enfants, l'étude de doctrine, l'étude de musique. Et après, on revient pour prier pour les enfants de matière, adolescents, les frères et sœurs, les sœurs qui sont enceintes. Et on va finir. Nous saluons nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude porte sur la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est d'être, avoir un cœur pur de tout péché, d'avoir la vie dirigée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère révélé. Vous savez qu'est-ce que c'est le mystère? C'est un secret. Seulement le Saint-Esprit, il peut nous révéler le secret, les mystères de la parole de Dieu. Et quel est le plus grand mystère que le Saint-Esprit nous révèle? Ah, c'est ce que nous allons voir dans l'étude d'aujourd'hui, à travers l'histoire de Philippe et le mordome. Et nous allons lire la parole du Seigneur qui est écrite en Actes chapitre 8, verset 26. Et l'ange du Seigneur a dit à Philippe en disant, « Lève-toi et va du côté du sud au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est un désert. » Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Il a parlé à Philippe, un disciple de Jésus, qu'il devrait se lever
et aller vers l'adresse. Et il a même dit, donc, quelle route? Il a dit que cela était désert. Philippe a obéi, s'est levé et est allé. Notre cœur doit être comme ça. Quand Dieu nous parle, nous obéissons à sa voix. Quand il est arrivé au chemin, soudain, il a eu une charrette qui transportait un homme. C'était un majordome et un chef du royaume d'Éthiopie, un pays éloigné d'Israël. Et cet homme est venu à Jérusalem pour adorer le Seigneur et revenait vers son pays. Alors le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche de ce char. Philippe est allé, il s'est approché de la charrette et l'homme lisait les Écritures. Même si le majordome était un homme intelligent, il lisait, mais ne comprenait rien du tout. C'était un mystère pour lui. Et Philippe a demandé, vous comprenez ce que vous lisez? Le majordome a dit, comment je vais comprendre si quelqu'un ne m'enseigne pas? Monte ici et explique-moi la parole de Dieu. Philippe alors est monté dans la charrette et a dit au majordome, il était en train de lire le prophète Isaïe qui était écrit. Il a été opprimé et affligé, mais n'a pas ouvert sa bouche comme un agneau. Il a été amené à la mort et comme une brebis muette devant ceux qui la préparent, il n'a pas ouvert sa bouche. Cela se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Le mot d'homme, il a posé la question. Le prophète, il parle de qui ici? C'est de lui-même ou d'une autre personne? Philippe, rempli du Saint-Esprit, a commencé à expliquer cet agneau que la parole de Dieu dit est Jésus. Jésus, il n'a pas ouvert sa bouche pour se plaindre. Il a été mort à notre place afin qu'aujourd'hui, nous ayons le salut. Dans ce jour si spécial, le Saint-Esprit a révélé le mystère. Le secret qui était occulté pour cet homme, pour le majordome, le prophète Ésaïe, 700 ans avant Jésus être né, il prophétisait déjà que Jésus c'est notre sauveur. La Bible nous dit que ce majordome a connu Jésus, il a cru en Jésus, il a accepté comme son sauveur, il a été même baptisé dans les eaux. Et à partir de cette rencontre si merveilleuse avec Dieu, cet homme a commencé à voir une nouvelle vie. Car il a connu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus, le seul sauveur. Alléluia. Le majordome, alors, il est revenu en Éthiopie. Maintenant, il avait sa vie transformée par le pouvoir de Dieu. Le monde, il n'allait plus dominer son cœur. Maintenant, il serait guidé par le Saint-Esprit. Nous sommes dans ce monde aussi, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes en train de marcher pour habiter avec le Seigneur au ciel. Nous ne serons pas esclaves dans ce monde. Nous avons Jésus dans le cœur. Voyez ce que Dieu opère dans la vie de ceux qui sont sincères de cœur. L'homme, il n'arrive pas à comprendre le mystère du royaume des cieux si ce n'est pas révélé par le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup entendent parler de Jésus et pensent que Jésus ne peut rien faire pour sa vie. Et il y a un problème, n'est-ce pas? Ils sont erronés. Mais si l'homme cherche Dieu avec foi, il va connaître le secret révélé, le mystère. Il va comprendre que Jésus est le seul qui peut donner la paix, la joie, la sûreté et ce qui est le plus important, nous donner la vie éternelle. Nous allons voir si vous avez appris l'étude d'aujourd'hui. Je vais poser une question. Quel est le plus grand mystère de la parole de Dieu? Oui, c'est ça. Le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Vous avez déjà connu ce mystère? Le majordome, il lisait la parole, mais il ne connaissait pas Jésus. Vous pouvez être comme ce monsieur, aller à l'église, lire la Bible, mais vous n'avez pas encore eu une expérience réelle de salut. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut révéler Jésus. C'est lui qui peut pardonner vos péchés,
transformer votre vie, délivrer votre pensée des mauvaises pensées et donner la paix dans votre maison. Il n'y a que Jésus qui peut vous enlever de la mort et vous donner une vie éternelle. Ouvrez votre cœur pour connaître les secrets du royaume des cieux, pour connaître Jésus, le seul sauveur. Laisse que le Saint-Esprit conduise votre vie. Et vous allez avoir des grandes expériences dans la présence du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur à tous, spécialement à toutes les classes. Nous sommes très heureux de voir votre participation. C'est exactement ça. Nous allons nous dédier, étudier beaucoup pour donner notre meilleur au Seigneur Jésus. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est votre jour, ou de votre frère, de votre ami, d'être dans les participations? Nous allons voir. Voici Aika Oishi de 5 ans de notre église à Nagoya, au Japon. Rebecca a 10 ans de l'église Sikera Campus à Rakaju dans l'état de Sergipe. L'adolescent Ilan Jader de l'église de Takwatinga de Soul, district fédéral. Gloire à Dieu. Que vous puissiez avoir maintenant une étude merveilleuse. Et la semaine prochaine, je vais commencer un nouvel enseignement pour jouer une nouvelle louange et aussi à d'autres nouveautés. Ne ratez pas. Amen. Je vous remercie à tous. La paix du Seigneur, mes frères, enfants et adolescents. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons apprendre la main gauche de la louange. Ma joie est grandie avec mon Seigneur. Vous connaissez déjà la main droite, l'introduction et toute la louange. Et maintenant, nous allons apprendre la main gauche. Et le défi, c'est de mettre les deux mains ensemble. Et comment nous allons arriver à mettre les deux mains ensemble? Il y a des frères et sœurs qui disent « Ah, mais ça peut être difficile de mettre les mains ensemble. » Non, ce n'est pas difficile. Quand nous nous entraînons tous les jours, quand nous nous dédions tous les jours, quand nous reprenons plusieurs fois. Parce que notre cerveau, il est conditionné. Quand nous répétons et tout ce qu'on apprend et on reprend plusieurs fois, on fait automatiquement après. Si vous êtes entraîné beaucoup la main droite, dans l'introduction, comme dans toute la partie de la louange, ce ne sera pas si difficile pour mettre les mains ensemble. Si vous n'avez pas encore entraîné, c'est encore temps. Il suffit de séparer cette semaine, vous entraînez plusieurs fois la main droite et après on va unir les deux mains. Pour apprendre la main gauche de la louange majeure, j'ai mis ici la cifre universelle. La cifre universelle sont ces lettres ici. Dans les 7 premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G. Et ces lettres, en majuscule, elles représentent des accords. Les accords, c'est l'accompagnement de la main gauche. Maintenant, nous allons apprendre et jouer une seule note de l'accord, qui c'est la plus grave, qui c'est la première note. Quand nous voyons le A, il représente La, B représente Si, C, Do, D, Ré, E, Mi, F, Fa, G, Sol. Nous commençons toujours les notes à partir du Do, n'est-ce pas? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, La, Si. Mais
ce n'est pas été toujours comme ça. Au début, dans l'écriture musicale, on commençait par le la. Et donc, la cifre universelle a commencé avec le A, qui c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, avec la main gauche, on va accompagner cette cifre universelle. Maintenant que nous sommes entraînés, nous allons regarder notre partition. Et ici, nous avons notre cifre universelle. Donc, c'est important que vous puissiez accompagner ici le C, on le fait avec le doigt 5. Le F, nous allons faire avec le doigt 2, qui est le Fa. C, avec le doigt 5. Le 5 ici, en vérité, c'est la main droite, d'accord? Le Sol, avec le doigt 1. Nous allons positionner notre main au clavier de manière que le doigt 5 le Do, doigt 4 au Ré, 3 au Mi, 2 au Fa et doigt 1 au Sol. Et où votre doigt sera, vous allez jouer le grave de l'accord pour accompagner. Le doigt 1 va avoir besoin de passer au La aussi, ça sera naturel et intuitif. Quand on voit des compas où il n'a pas de cifre, vous pouvez reprendre le dernier cifre. Allons-y, entraînez notre main gauche, les graves. Là, c'est l'introduction. Je vais compter 3, 4 et un autre. 3, 4. Do, Fa. Do, Sol. Do, Fa. Do, Sol. Do. Et là, on commence. Vous pouvez reprendre le Do ici. Sol. Que veio e lá, não vem o Lá. Aí, a gente... Quando ele há duas cifras universais, on prend toujours celle du côté droit. Eu vou passar de no Si e volto pro Dó. E on reprend. Toda, repete. Glória e louvor. E lá, on passa o Lá. Que trabalha. Sol. Sol. Depois on passe au La. Sol. Sol. On reprend. Et on passe au Do. Sol. On passe. Lá. Do. E lá on revient au Sol. Quand on va entraîner la main gauche, on va faire les bas. Vous allez mettre ensemble avec la main droite. Et on va pouvoir jouer ensemble, même avec la vidéo. Nous avons l'animation des enfants. Cette vidéo est une vitesse plus rapide. Vous vous entraînez doucement. Et quand vous allez être très perfectionné, vous allez jouer ensemble avec la vidéo. La paix du Seigneur et prochaine étude.
Amen. Louis soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Nous allons remettre sur l'autel du Seigneur ce culte, cette école biblique dominicale, comme nous faisons toujours. Nous allons prier aussi pour les enfants intermédiaires et adolescents et qui éventuellement accompagnent cette transmission à travers notre canal YouTube. Donc les frères, enfants intermédiaires, adolescents, les sœurs qui sont enceintes, peuvent se positionner maintenant pour recevoir l'onction de main en ce moment où, au même instant, nous allons remettre sur l'autel du Seigneur ce culte. Nous allons prier. Seigneur, nous demandons que l'opération de ton Saint-Esprit se donne dans la vie des enfants intermédiaires et adolescents. Nous rappelons des enfants qui sont dans le bras de leur mère de 0 à 3 ans puissent bénir toutes ces classes, pas seulement, Seigneur, dans l'apprentissage de ta parole, mais aussi que tu puisses garder de tout mal en préservant de l'action de l'adversaire, de n'importe quel problème de santé physique ou spirituel, mental, que tu puisses garder, préserver ces enfants qui t'appartiennent, tu les aimes, et qui apporte tellement de joie à nous, le monde de la famille. Nous demandons de bénédiction afin qu'il soit de témoin vivant de ton œuvre parmi ses collègues d'école, parmi les voisins, parmi les membres de la famille, les amis, qu'il continue à vivre cette expérience, de nous porter le témoignage, la bénédiction merveilleuse de vivre à tes pieds. Nous demandons encore, Seigneur, pour tes servantes qui sont enceintes, que tu puisses les bénir de manière spéciale. Et faisons, Seigneur, en sorte que les enfants qui sont engendrés dans leur ventre soient accompagnés depuis maintenant par toi, par ta présence et par ta bénédiction. Seigneur, que les enfants soient une grande joie dans leur foyer pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, aussi les parents, les professeurs, qui nous soyons toujours remplis de ta sagesse, de l'action de ton esprit, pour conduire, Seigneur, nos enfants, nous, dans tes chemins. Maintenant, nous demandons, Seigneur, au soir, dans ton hôtel, ce culte, et avec lui, notre louange et adoration, bénis chacun de nous, et les autres programmations de l'Église d'aujourd'hui, nous prions en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et les douces, sainte et éternelle consolation du Saint-Esprit, repose sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, et puis maintenant, amen. Loué soit le nom du Seigneur. On invite les frères et sœurs à accompagner les autres programmations de cette journée, c'est bien par notre canal YouTube ou par la rede Brasil de télévision qui transmet la programmation de l'Évangile éternel à 19h. Nous disons au revoir à tous dans la paix du Seigneur Jésus.